Isanga Bunganga, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes délégué du rassemblement aux discussions directes qui se tiennent depuis le 8 décembre au centre interdiocésain. Nous sommes le 25 décembre ce dimanche. L'accord devait être signé selon ce qu'attendait l'opinion nationale et internationale le 24 décembre. Ça ne l'a pas été. Quelles sont d'abord les raisons qui ont fait en sorte que cet accord ne soit pas signé? Avant de donner d'abord les raisons, il faut prendre en compte deux éléments. Premier élément, le peuple congolais doit comprendre que nous venons de très loin. Nous venons de très loin et nous sommes dans une situation d'un pays ou d'un État presque qui n'existe pas ou qui ne vit pas. Pour qu'un pays puisse fonctionner normalement, il faut que le cycle électoral soit un cycle normal. Comme chez nous, 5 ans après, il y a élection. Mais observez que nous sommes arrivés à une situation où, en vertu des dispositions de l'article 73 de la Constitution, il n'y a pas d'élection présidentielle. Et à cela, il faut aussi intégrer l'élément que les députés provinciaux sans faire mandat depuis très longtemps. Apprendre à cela les sénateurs. L'Assemblée nationale vient de terminer sa dernière session extraordinaire, sa dernière session ordinaire de sa mandature, le 15 décembre ici. Donc maintenant, l'Assemblée nationale entre dans une série de sessions extraordinaires. Et au mois de février, c'est la fin de cette mandature. Presque toutes les institutions sont fait mandat. En commençant maintenant par le président de la République depuis le 19 décembre. Ça pose un problème dans un pays normal. Cela veut dire que nous devons tout faire pour ramener notre pays dans une situation normale. Ça, c'est le premier élément, madame, qui est un élément très important. Vous voulez savoir pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas signé l'accord. Mais c'est ça le deuxième élément. À comprendre que dans ces pays, parfois les peuples congolais oublient très vite. Où est passé Edem Kodjo? Vous, au niveau de la presse, à tout moment, vous étiez obligé d'aller au Kanchachi. Les amis nous ont dit, mais pourquoi vous appelez Kanchachi, qui est normal? Mais on dit non, il faut dire cité de l'Union africaine, on les concède. Quand il y a eu les dialogues, les soi-disant dialogues de la cité de l'Union africaine, on a parlé de Kodjo, mais maintenant où est passé Kodjo? Tout le monde a compris qu'on a perdu du temps pour rien avec Kodjo. Et voilà qu'aujourd'hui nous nous retrouvons au centre interdiocésain, chez les évêques, où les Congolais maintenant comprennent que voilà le vrai dialogue. Un, nombre réduit. 16 pour les signataires, 16 pour les non-signataires. Un débat constructif avec les évêques. Voilà. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas signé? Nous sommes dans un processus. Il y a des amis qui ont pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais les évêques, il faut intégrer 2 éléments. Premier élément, les évêques n'ont comme parti politique que le peuple congolais, où il y a l'air fidèle. Deuxième élément, les évêques ont des obligations pastorales. Ce qui fait qu'à tout moment, et comme nous sommes à une période de Noël, ils sont obligés de rentrer à leur base pour essayer de célébrer des messes, essayer de faire des obligations pastorales avec leurs fidèles. Ni t'était cet élément, ce dialogue n'allait prendre qu'une semaine. L'autre fois, il y a eu des impératifs parce que les évêques devaient aller à Mbandaka. Il y avait l'ordination de l'archevêque de Mbandaka, donc Monseigneur Fridolin Ambongo. Et tout le monde devait partir. Donc ce week-end-là, on l'a perdu. Une autre obligation pastorale, les évêques devaient aller à Rome pour rencontrer
les Saint-Père. Et ils sont partis. Ça nous a permis aussi d'avoir une période où nous devions arrêter les travaux et continuer à travailler avec les secrétariats. Ça, c'est la deuxième période. Troisième période, maintenant, nous sommes dans une période de Noël. Les évêques sont obligés de rentrer dans leurs paroisses pour essayer un peu de célébrer Noël avec leurs fidèles. Face à ces trois obligations pastorales, il y a eu, sur le plan du calendrier, des périodes où il y a eu des ruptures. Voilà pourquoi il y a eu ces retards. Alors maintenant, les évêques vont rentrer le mercredi. J'ai dit, nous pouvons avoir une plénière où nous devons mettre au propre tout ce qu'il y a comme des toutes petites divergences pour que le vendredi nous puissions signer l'accord. Donc l'accord peut être signé le 30, c'est-à-dire ça sera signé avant le 1er janvier 2017. Ça c'est une grande victoire pour les évêques. Il vous souviendra madame qu'il y a des gens qui ont dit, des prophètes de malheur. Avant même que les évêques ne puissent commencer le travail, ils ont dit, les évêques ont échoué. Au moment où ils n'ont même pas encore commencé à travailler, ils ont échoué. Mais aujourd'hui, ça nous a démontré le contraire. Je pense que les évêques sont à un pas de la victoire. Ça veut dire que vous vous êtes mis d'accord, tous les délégués, les deux composantes, et que maintenant plus rien ne peut bloquer le processus finalement de ces discussions directes, et plus rien ne peut bloquer l'accord, la signature de l'accord le vendredi prochain. Nous, du côté du rassemblement, autour de notre autorité morale, le président Étienne Tshisekedi, nous nous sommes donné un objectif. Nous allons à ce dialogue avec comme objectif principal l'intérêt du peuple congolais. Et je pense que de ce côté-là, nous avons réussi. Nous avons réussi parce que nous avons dit que veut le peuple congolais. Le peuple congolais veut qu'il n'y a pas. Il veut le respect de la Constitution. Qu'est-ce qu'il entend par respect de la Constitution? Pas de troisième mandat, pas de référendum, pas de violation de l'article 220. Tous ces éléments, le rassemblement a pris ça en compte pour que la Constitution soit respectée. Et nous sommes allés très loin. Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut qu'aujourd'hui nous puissions aller dans les élections, vers les élections apaisées, crédible et transparent. Et pour y arriver, il faut un calendrier aujourd'hui consensuel. Nous savons que le calendrier, c'est dans les prérogatives de la CENI. Mais, en politique, il est important que les hommes politiques puissent dégager un consensus autour de ce calendrier. Nous avons ramené à ce que les élections puissent avoir lieu en 2017. C'est une grande victoire pour les peuples congolais. En dehors de l'aspect sur le processus électoral, élection décembre 2017, élection présidentielle, qu'est-ce qu'il faut retenir d'autres des grandes lignes de cet accord qui sera signé déjà dans la presse? Il y a quelques grandes lignes qui circulent déjà, notamment d'abord de 1, le président de la République reste en fonction, le comité de suivi. Qu'en est-il de la décrispation, par exemple? Vous parlez de la décrispation. Mais le grand avantage dans tout ce qui devait se passer, c'est cette affaire du comité de suivi. Comité de suivi de l'accord. Et nous nous sommes mis d'accord par consensus pour que ça soit piloté par le président Étienne Tshisekedi. On apprend même que ce comité de suivi sera transformé en une institution d'appui à la démocratie. C'est normal parce que ça tire son essence à partir de l'article de la Constitution qui dit que nous pouvons avoir des institutions d'appui à la démocratie. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, ce n'est que normal que ce comité puisse
être érigé aujourd'hui à une institution d'appui à la démocratie. Mais ce qui est important d'abord, madame, c'est l'homme qui va présider à la destinée de cette commission, de ce comité. C'est le président Étienne Tshisekedi. Et là, ce n'est plus dans le cas des négociations, c'est un consensus qui s'est formé autour de lui. Et alors là, c'est pour qu'on puisse veiller à ce que tout se passe à la normale. Et vous connaissez bien le président Étienne Tshisekedi, il va tout faire pour qu'on puisse aller de là-bas et pour qu'il puisse y avoir des élections. Il a là, il a, selon les prérogatives, c'est ça. Il va veiller à ce que, parce qu'on dit comité de suivi, de quoi? De l'accord. Quel accord? L'accord qui va être signé. Et c'est lui qui devient comme notre gendarme à propos de cet accord. Et qui est notre gendarme? C'est Étienne Tshisekedi. Il va voir aujourd'hui pour dire les élections. Et ça avance. Qui respecte la Constitution, qui ne respecte pas. Essayez un peu de demander pour que les choses rentrent à la normale. Au moins avec lui, nous pouvons espérer que il va tout faire pour qu'au niveau de la CENI et qu'au niveau des opérateurs politiques, nous puissions aller vers de bonnes élections. Donc, vous avez parlé de la décrispation, oui. Nous nous sommes dit qu'il faut prendre 7 à 10 noms phares. Ce n'est pas dit que si la liste des 200, au moins 260 hommes politiques, que nous puissions, qui sont des détenus politiques ou des prisonniers, qu'on puisse dire qu'il y a au moins 7 ou 10 qui sont des personnalités valables, respectables. Non. Nous avons tiré, si cette liste est de 260 au moins, 7 à 10 personnalités phares. Phares, c'est-à-dire qu'on dit, nous prenons Eugène Diomi Ndongala, tous les Congolais savent aujourd'hui que Diomi est arrêté pour des raisons politiques, on doit les faire sortir. Quand nous parlons de aujourd'hui, il faut dire, mais Moïse Katumbi, il est dans la même situation. Il est à l'étranger, il ne peut pas revenir. Est-ce qu'on peut demander à ce que Moïse Katumbi puisse rentrer? Mais l'objectif ultime, ce n'est pas Moïse Katumbi. Il y a aussi Roger Lumbala. Roger Lumbala qui est avec nous au niveau des alliés du président Étienne Tshisekedi. Et pour nous, Roger Lumbala, c'est une valeur. Il doit rentrer au pays. Et il y a aussi le professeur Mboné Koubé qui et a déjà bénéficié de la loi d'amnistie depuis 2014 et qui maintenant il continue toujours à croupir ici à la prison centrale de Ndolo. Il y a Muyambo, il y a Moïse Monidela, et donc il y a Floribé Anzuruni, il y a tous ces cas-là. Donc il y a, sans oublier, Mboussa Nyamwisi. Donc quand nous prenons en compte tous ces éléments, il est important à ce qu'on puisse d'abord tenir compte de l'apaisement. Et si nous parlons apaisement, il faut quand même qu'on puisse élargir tous ces gens-là. Moi, j'ai pris la parole pour demander à nos évêques, mais Seigneur, tous ces gens-là qui arrêtent les hommes politiques, quand ils se réveillent le matin, ils regardent leurs enfants qui doivent aller à l'école, ils se posent quelques questions à propos de ceux qu'ils arrêtent d'une manière arbitraire, qui sont des pères de famille pour une année, 2 ans, 3 ans, parfois sans procès, et pour quel intérêt? C'est ça le vrai problème. Et j'ai dit aux évêques, mes seigneurs, ce qui nous manque en dehors de la vérité, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour. S'il y avait l'amour, on ne pourrait pas arriver à de telles situations. L'objectif ultime ici, je repose ma question, ce n'est pas Moïse Katumbi. Vous savez que Moïse Katumbi est condamné. Et donc, pour son cas, il lui faudra, par exemple, une grâce présidentielle. Sinon, par quel mécanisme va-t-il rentrer au pays? Madame, vous savez, le président Étienne Tshisekedi a commencé les combats pour le respect des droits de l'homme depuis très longtemps. Avant même qu'on puisse fabriquer les dossiers de Moïse Katumbi, Tshisekedi a toujours lutté pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Donc dire qu'aujourd'hui le combat de Tshisekedi et du rassemblement, c'est seulement pour les cas Moïse, non, il y a plusieurs cas. On a arrêté Eugène Diomi Ndongala avant. Donc c'est un cas parmi tant d'autres. Et nous pensons qu'il est important à ce qu'on puisse tabler de tous les cas et qu'on aille de l'avant.
Selon les informations de cet accord qui sera signé le vendredi prochain, il est fait mention, ou il sera fait mention que Joseph Kabila, il n'y aura pas de troisième mandat ni de révision constitutionnelle. Exactement, c'est ça, madame. Nous nous sommes dit, et même le président de la République lui-même a dit, quand il s'est adressé au Congrès avec les députés et les sénateurs, il a dit ouvertement que ceux qui pensent et qui prennent tout le temps de parler de mon sort, je vais respecter la Constitution. Mais nous avons voulu seulement, au niveau de ce dialogue, au niveau de la médiation des évêques, chercher à préciser, à repréciser les choses pour que ce qu'il a dit, c'est vrai, il a raison, mais pour que ça soit dit clairement et pour que toute personne, même ceux qui a la personne qui a les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, puisse dire que non, vrai, vous avez raison, il n'y aura pas de troisième mandat. Qu'en est-il de la restructuration du bureau de la CENI? Bureau de la CENI, nous nous sommes mis d'accord, parce que vous savez, madame, sur le plan de l'indépendance, quand quelqu'un prête serment et qui devient membre de la CENI, en prêtant serment, il a maintenant le devoir d'ingratitude, même à l'égard de son parti politique qu'il a mis là-bas. Et il devient indépendant. Donc pour que nous puissions bénéficier de ça, il faut que ces membres démissionnent. Et vous savez très bien, les Congolais n'ont pas la culture de démission. Ce n'est pas facile. Donc ça va prendre du temps que ça va prendre. Le vrai problème pour nous est qu'on doit aller vite à ces élections. Nous devons éviter tout ce qui peut nous retarder les élections. Et nous pensons que si nous allons dans ce sens-là, nous risquons de perdre parce que ça va prendre trop de temps. Et on a levé l'objectif en demandant à chaque groupe de confirmer ses délégués. Et le cas échéant, si ce n'est pas confirmé, c'est de les changer. On a la liberté de faire et ses délégués comme il faut. Il ne s'agit pas ici de restructurer dans l'ensemble le bureau de la CENI. L'option qui a été retenue par consensus est que nous puissions arriver à une situation où, au niveau de la CENI, chaque délégation, chaque famille politique a la latitude de voir tout ce qu'il peut faire pour essayer de changer son délégué ou alors essayer de confirmer son délégué. Qu'en est-il du gouvernement? Mais le gouvernement, les choses sont claires. Madame, nous sommes arrivés à cette situation parce que le gouvernement Kabila n'a pas voulu donner des moyens pour qu'on organise les élections. Et nous confirmons, en tant que rassemblement, ça a été fait sciemment pour qu'on nous puisse nous mettre dos au mur. Et alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous devons rééditer encore cette mauvaise expérience de prendre que si le président Kabila parfait, il est là, et que nous puissions donner la primature aux mêmes gens qui vont encore nous amener à retarder les élections? Il faut que la primature, non pas soit donnée, mais soit surveillée et contrôlée par les rassemblements. Il y a déjà un Premier ministre qui est nommé et qui est du rassemblement de l'opposition. Si nous disons qu'il y a un Premier ministre qui est du rassemblement et que celui qui est là n'est pas du rassemblement, ça ne sert à rien de faire un débat. Vous le confirmez ou vous parlez? Nous confirmons parce que le Premier ministre qui est là, il n'est pas du rassemblement. Donc, il est signataire de l'accord de l'Union africaine. Et la loi sur le statut de l'opposition est claire. Les gens qui ont signé cet accord et qui ont eu un premier ministre et qui sont aujourd'hui au gouvernement sont frappés par les dispositions de la loi sur le statut de l'opposition qui dit clairement que celui qui est au gouvernement, il n'est plus opposant. Raison pour laquelle les signataires de cet accord, à l'heure actuelle, ils ont une composante qui n'est pas ma majorité, bien sûr, mais ils ne sont plus de l'opposition qui peut dire aujourd'hui que quand nous allons signer cet accord, dire que non, ils sont encore de l'opposition pour que ça soit les rassemblements. Conséquence, après la signature de l'accord, il faudra s'attendre 2-3 mois après à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'une nouvelle équipe gouvernementale. Madame, il faut prendre en compte deux éléments. Premier élément, Matata. Personne ne croyait que Matata allait partir. Il s'appelle Matata. Il ne partira pas.
Un homme compliqué, un homme complexe, un homme ceci. Qui pouvait croire que Matata pouvait partir? Mais deuxième élément, dès qu'il y a eu signature de cet accord, le président de la République a appliqué l'accord, il a demandé à Matata, il a démissionné. De la même manière qu'il y a eu le processus pour le départ de Matata, c'est de la même manière que le peuple congolais doit comprendre qu'il y aura le même processus pour le départ de Sami Badibanga après la signature de l'accord, bien sûr, de la CENCO, l'accord des bons offices des évêques. C'est clair. Si vous n'êtes pas allé à cette discussion pour les postes, pourquoi finalement exiger que la primature revienne au rassemblement? Parce que vous ne cessez de le dire, vous êtes allé là-bas pour l'intérêt du peuple, pour finalement discuter d'abord principalement de la question concernant le processus électoral. Mais pourquoi exiger que soit dit clairement la primature au rassemblement? Nous sommes allés là-bas. Autour des évêques, d'abord, un, nous avons refusé Kodjo parce que c'était un arbitre qui avait des partis pris. Nous avons dit pas Kodjo, premier élément. Et nous avons accepté la CENCO. Nous avons compris que c'était l'église au milieu du village. Deuxième élément, nous sommes allés là-bas parce que nous voulions remettre notre pays dans une situation normale. Avoir un calendrier consensuel, mettre tout le monde d'accord pour qu'on puisse avoir un cycle électoral correct où tout le monde peut avoir l'idée et la latitude de se reconnaître. Troisième élément, nous sommes allés là-bas parce qu'il y a des gens qui pensaient que quand nous arrivons le 19 décembre, il peut y avoir, le président Kabila peut continuer comme ça. Il y a la loi, il y a les décrets, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, là, c'est, non. Nous sommes allés là-bas pour dire qu'aujourd'hui ou jamais, en mettant à côté les noms du président Kabila, alors personne en dehors de lui ne peut aujourd'hui avoir plus de deux mandats par respect de la Constitution. Cette Constitution doit être respectée par tout le monde. En faisant un débat impersonnel, ne regardons pas seulement le président Kabila, mais regardons qu'après lui, il peut y avoir Lissanga, il peut y avoir Félix Tshisekedi, il peut y avoir Martin Fayoulou, il peut y avoir Mende ou n'importe qui. Celui-là, quand il est au pouvoir, qui comprenne qu'il faut respecter la Constitution, un mandat, ça va. Deux, et après, c'est terminé. Et ça doit être comme ça pour tout le monde. Nous sommes allés là-bas, madame. Parce que les gens n'ont pas compris que quand vous êtes en train de gérer, il faut que 5 ans après, il y ait des élections. Nous sommes allés là-bas parce qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait un gouvernement qui pense dissocier de notre peuple. Ça n'a pas été le cas. Voilà tous ces éléments mis en compte. Et en cherchant d'avoir un pays normal, ça nous a obligés, nous en tant que rassemblement, autour du président Étienne Tshisekedi, d'accepter d'aller à côté des évêques pour trouver la solution. Et en mettant au centre de toutes les préoccupations, l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que vous êtes sûr, Lissanga Bonganga, qu'à échéance décembre 2017, le gouvernement qui sera peut-être dirigé par le Rassemblement sera en mesure de pouvoir trouver tout l'argent possible pour organiser les élections, parce qu'il nous faut un peu plus d'un milliard pour organiser ces élections. Entre-temps, comment dire, trouver des solutions aux problèmes sociaux des Congolais. Finalement, ce gouvernement sera-t-il en mesure d'organiser les élections? Est-ce que vous ne craignez pas finalement d'être piégé à échéance et ne pas organiser les élections? En ce moment, qu'est-ce qu'on fera et qu'est-ce que vous direz à ce peuple? Votre question nous réconforte. Nous réconforte parce que ça nous met dans une position de responsabilité. De responsabilité, pourquoi nous nous disons ceci? Alors aujourd'hui, les amis ne nous ont pas amenés aux élections, il y a eu des problèmes. Comment nous-mêmes, en tant que rassemblement, nous pouvons prendre les devants avec un gouvernement dirigé par les rassemblements pour que nous puissions amener les peuples aux élections? Deuxième élément, les sociétés de notre peuple. Nous savons qu'il y a des problèmes, mais comment on peut se battre pour que ce peuple puisse se retrouver un peu du social? Troisième élément, comment nous devons tout faire pour que nous puissions aller aux élections, et pas n'importe quelles élections,
les vraies élections avec apaisement pour que le peuple puisse être les grands gagnants. Et pour nous, ça a toujours été comme motivation. Ça a toujours été comme slogan, le peuple d'abord. Et à tel enseigne que s'il y a un gagnant, ça ne soit pas nous, ça soit le peuple congolais. Quelle est la différence maintenant que vous faites entre vous qui êtes allé au centre interdiocésain et ceux de l'opposition qui sont allés à la cité de l'Union africaine dans ce dialogue autour du facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo? Parce que en clair, Joseph Kabila reste président de la République. Vous avez gagné peut-être 3 mois pour l'organisation des élections, mais en dehors de cela, quelle est l'autre grande différence entre vous et ceux qui sont allés à l'Union africaine? Beaucoup de différences. Lesquelles? La première, ils ont eu Edem Kodjo comme médiateur. Edem Kodjo est un arbitre avec un arbitre partial. De l'Union africaine, la communauté internationale. On continue, vous m'avez demandé les différences. J'ai 5 doigts, je continue. Ça c'est le premier. J'ai dit, Edem Kodjo, arbitre partial, voilà la première différence. Nos amis de l'opposition ont accepté d'aller avec un arbitre partial où tout le monde savait que cet arbitre était pour Kabila. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ils sont allés là-bas en disant oui, le président Kabila reste. Ils n'ont rien eu comme guerre de cause. Nous nous disons, il est là, malgré lui, pour attendre à ce qu'un autre président arrive. Mais nous devons avoir des garanties qu'il ne va pas se représenter comme candidat président. Nous devons avoir des garanties qu'il n'y aura pas modification de la Constitution. Il n'y aura pas référendum. Ils n'ont pas eu ça. Troisième élément, ils sont partis là-bas pour dire comme ça les élections en 2018. C'est-à-dire quoi? Nous, on a ramené à 2017. Ils sont partis là-bas dans leur esprit d'accompagnement. On parlait même aux communautés internationales, ceci, où il y avait des partis pris. Mais nous, on a pris, on fait des évêques, des Congolais, qu'on pouvait trouver des solutions. Et aujourd'hui, nous nous disons clairement, avec la volonté de notre peuple, que nous puissions trouver des solutions à des problèmes là où nos amis n'ont pas pu trouver des solutions. Et nous, vous avez vu ce qui s'est passé, madame. Il y a eu des morts dans ce pays pour le 19 septembre. Et quand nous nous étions en train de mobiliser ici, de pleurer nos morts, nos amis, aujourd'hui, vous dites que de l'opposition, ils étaient là-bas en train de dire qu'on nous donne les postes. Mais nous, nous tenons sur le terrain avec les morts. Et nous continuons à pleurer nos morts. Les différences sont énormes. Donc, on peut continuer, même si vous voulez, la liste est très longue, très longue. On va terminer cet entretien par ce message du cardinal Laurent Mosengo Passigna, son homélie pour la célébration de la Noël. Je prends juste un extrait de son homélie. Le point 7 dit ceci: il est plus facile de tuer que de ne pas tuer. Il est plus facile de céder à la violence que de résister à la force. Il est plus beau d'être artisan de paix qu'artisan de la violence. Il n'y a pas de grandeur à manier les armes pour tuer les gens. Le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas qu'on ne puisse le quitter que par les armes. Il est révolu le temps où l'on prenait le mal, le pouvoir par les armes. Il est révolu le temps où l'on cherchait à conserver le pouvoir par les armes en tuant son peuple. Ces jeunes qui ne réclament que leur droit de vivre un peu plus dignement, prenons garde mes frères et sœurs, car nous rendrons compte au Seigneur de la souffrance que nous imposons aux autres en fermant nos yeux face à la misère de notre peuple. Ce n'est pas l'évangile politisé, ça? Nous pouvons dire non seulement merci mais félicitations au cardinal, tout en profitant de cette occasion aussi pour lui souhaiter bonne fête de Noël. Le cardinal a eu des mots justes, il a été précis, il a été concis. Ce qu'il a dit, d'abord, en prenant seulement les termes, le cardinal parle de tuer. Il y a eu des tueries. Le cardinal parle du peuple, respect du peuple. Le cardinal parle du respect de la Constitution, respect de la Constitution. Le cardinal parle des armes. Il y a des gens qui pensent que j'ai pris le pouvoir par les armes, je dois les conserver par les armes et je ne peux quitter ce pouvoir que par les armes. Une leçon qu'il prodigue à des gens qui pensent qu'il faut résoudre tout par les armes. Et à ce moment-là, le cardinal, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on lui dit beaucoup de félicitations.
Mais un élément important, le cardinal Laurent Monsengwo, en tant qu'un homme très important, quand nous avons des négociations au niveau de la CENCO, tout le monde les cherche. On dit, mais où est le cardinal? Quand nous avons des blocages, on dit, mais pourquoi le cardinal ne peut pas venir? Mais on ne l'a pas vu, mais on l'a vu aujourd'hui. Une grande sortie. Il a donné son message. Il a dit au peuple, je dis ce que je suis là, je parle de votre misère, je parle du respect de la Constitution, je parle aujourd'hui à ce qu'on puisse dire qu'on ne peut pas imposer au peuple des souffrances comme ça par la force des armes. Donc, coup de chapeau au cardinal, il a été parfait. Politiser l'évangile, finalement utiliser l'autel de l'église pour parler politique, n'est-ce pas que les clergés ne devraient pas s'occuper de la politique? Madame, nous devons éviter à parler des choses qui, à un certain moment, risquent de nous rattraper. Nous avons parlé de Kodjo ici. Oh non, il faut un médiateur. Oh, il faut des étrangers, il faut ceci. Mais aujourd'hui, le peuple congolais va trouver des solutions à ces problèmes. Qui va trouver des solutions? Ce sont des politiques, ce sont des évêques. Ce sont des évêques. Mais nous, il y a des gens qui ont tenu des discours contre les catholiques, contre la CENCO, contre les cardinaux. Mais aujourd'hui, qui vont nous trouver des solutions à nos problèmes? C'est cette église catholique. Nous devons être humbles. En disant non, on politise l'église, non. Ce que le cardinal a dit et a fait, ce n'est pas politisé. Il a dit la vérité. Et ce qui est mauvais parfois pour des gens qui font du mal et que la vérité blesse. C'est ça le vrai problème. Le cardinal a eu des mots justes pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt des fidèles. Et nous pensons qu'il a été à la hauteur. Et aujourd'hui, je pense que le vendredi, quand nous allons signer des accords à la CENCO, les gens vont commencer à applaudir. Je suis surpris aujourd'hui de voir même les pasteurs en train de dire « Ah voilà, nous les hommes de Dieu, on a trouvé des solutions. » Tout le monde se retrouve aujourd'hui à travers les catholiques, à travers la CENCO. Mais les gens qui étaient en train de jeter des flèches contre les catholiques, mais aujourd'hui on a vu que ce sont eux qui vont trouver des solutions à ces problèmes. Et maintenant, la victoire, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pasteurs. Alors, nous, on ne refuse pas, il faut partager la victoire. Mais il faut avoir des mots justes en disant seulement merci aux évêques, en disant merci à la CENCO, en disant merci au Saint-Père. Parce que le Saint-Père a dit, rappelez les présidents de la CENCO et les vice-présidents pour leur dire, allez jusqu'au bout, il faut qu'il y ait ce dialogue pour que le peuple congolais puisse trouver des solutions à leurs problèmes. Et merci au cardinal. Merci beaucoup, honorable Lissangabo. C'est moi qui vous remercie.